Ok, aujourd'hui on est au parapluie. C'est un spot qui est vraiment stylé parce que ça crée genre des espèces de cascades naturelles. Et en vrai, il y a du fond partout. Donc c'est vraiment stylé pour sauter. Il y a tout le monde qui est là et il y a le soleil qui arrive. Ça va être bien bien cool. Le boss est en place. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Je fais un double gainer. Mytho. Ça régale de fou ce genre de petit spot là. Surtout que c'est à une demi-heure de chez nous maintenant, vu qu'on habite à Montpellier. Ça part sur un petit 10 mètres maintenant. On arrive aux 10 mètres. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une petite plateforme vraiment genre parfaite. Ah ouais. Oh oui. Bon bah let's go, ça part en pied de blade, du plaisir, il y a 10 mètres. J'en en fais pas beaucoup à cette hauteur là, mais ça va être cool. C'était propre. Bon, on va sur la deuxième partie du spot. C'est genre au-dessus des cascades, ça va être stylé. Là-haut, il y a des petites piscines, ça régale. Hop, on a un petit jacuzzi naturel. C'est vraiment des nuls là. Vraiment, c'est tellement stylé, il y a des sauts partout. Regardez, il y a Mehdi qui prend son bain. En mode dope, frérot. Grave. Tu peux y aller là, il n'y a pas de risque. Hein. What? C'est quoi le programme? Attends, ils veulent vraiment descendre. Mais tu te baisses dans les rochers, non? J'ai déjà fait dans les rivières, dans le Jura, avec un peu plus de courant. Ça peut être dangereux, mais là, il n'y a aucun risque. C'est sûr? Ouais. Bah, faut juste pas foutre un pied au fond qui se coince sous une pierre. Ah ouais. Et tu sais, tu te laisses aller comme ça, en flottant, et c'est mieux. Mais genre, c'est pas ce que tu fais. Il parle de toutes les situations possibles. Imaginez, ça met trop bien. Tu viens avec nous, Mehdi? Il regarde la cave avant de dire ça, ce bâtard. On va pas se prendre les gros rochers genre à toute vitesse là. Non, en fait si, faut faire gaffe aux rochers. Mais en gros tu te mets sur le dos tranquille, les jambes en l'air. Là il n'y a pas tant de courant que ça, tu vois. On va essayer de prendre les rapides là avec les gars. Ça va être drôle. Bon, ça part? Ouais, je crois que ça part. Ok, bah on se fout tous à l'eau. Bah de toute façon dès qu'on est à l'eau on se fait emporter là. Donc ouais. Vas-y, vas-y. En arrière possible. 3. Attends. 2. 1. Go. C'est magnifique. Cet endroit, il est... C'est pas passé super bien parce que j'étais un peu en sous-rote. En fait j'ai pas assez de vitesse de rotation pour pouvoir le finir. C'est la merde ce move. Bon, là il y a les gars qui vont essayer de taper le plus gros saut du spot. Ils vont essayer de le faire à deux avec Jérémy et Mathieu. Let's go! Yes! Woo!
Yes. On a fini sur le petit spot du parapluie. Et maintenant, on va aller au pont du Diable qui est juste à côté. Bon, là, les gars, là, ça va moins rigoler, là. Là, il y a la petite pression qui va monter parce que on attaque des sauts qui sont beaucoup plus gros. On attaque le pont du Diable qui fait 19 mètres et le pont neuf qui fait 27 mètres. Donc là, ça fait chauffer. C'est 27 mètres. Ça rigole pas, hein. Là. C'est déconné. Cette fois-ci, il y en a un mec qui va le faire. Ça m'étonnerait, moi, parce que là on est quand même en fin de session, hein. C'est quand même bien faire plaisir sur le spot. Chaque fois on vient là, et personne ne nous dit. Bah oui, bah parce qu'on est en fin de session à chaque fois. Hein. Je connais rien, mais j'ai bien envie. Je suis prêt. 3, 2, 1, send it. Wouah! Magnifique, moi je suis fan. Hein. Incroyable. Mais il casse l'eau à chaque fois, c'est impressionnant. Le gars, l'eau a mal. Son corps n'a rien, mais l'eau a mal. Jérémy, l'animal quand il casse l'eau, mais. Oh, oh. Cette maîtrise de la chute libre là, elle est folle. Vas-y, 3, 2, 1, let's go, baby! Yeah. Ah, c'était génial! Oh, j'adore! Elle est 4 en avant, toi. Oh non, il a dit qu'il était chaud pour le 27. Quoi? C'est vrai? Mais oh ça, là il y a là. Plus d'effort. Ouais, vous êtes des grands malades. Hein. Surtout lui là-bas, là. Une barjo un peu. Ça part au 27 direct, les gars. Moi, on a qu'une vie. Hein. Faut y aller hein, quand on sort bien. Après, en vrai, ça fait beaucoup de fois qu'on vient, qu'on le regarde comme ça du coin de l'œil. Ah, ça va être fou. Ça s'approche d'un but là. Ouais, c'est un live goal, les gars. Je sais pas pourquoi 27? Tease. 27 parce que 27 c'est déjà le truc des Red Bull Keep Diving, c'est la hauteur genre où ils sautent vraiment au max, donc ça fait chauffer. 27 c'est le pont neuf et il y a un autre objectif à 27, donc ça peut être bien de faire celui-là. Je suis tout excité là, mais je suis en mode économie d'énergie pour garder un max d'énergie. Et mais là on marche dans la mauvaise direction. Ouais, c'est par là en fait. Let's go. Oh oui. Tu vas le faire avec Mathieu? Bien sûr. Je vais accompagner le frérot. Et ce qui est le plus important, c'est gainer les quadrilles et le bassin. T'es tombé dans l'eau. Ralenti ou pas? Ouais, de fou. Oh mec, c'est trop beau. Allez Mathieu. C'est ton moment Mathieu. 3, 2, 1, let's go. C'est énorme. C'est beau là. Waouh. T'en dis quoi là? Ça fait ouf. Ça part là. C'est trop chaud. Allez, 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 à ton tour. Ah, t'es trop chaud. Ah, yes. Oh la dinguerie. Oh yes. What? T'es tellement petit d'en bas, mec. Ah, c'était du bonheur. T'as trop géré, hein. T'es beaucoup trop chaud, mec. La folie, hein. Ouais, c'était cool. Il a bien sauté en plus. Franchement, je crois que t'es très bien rentré dans l'eau. Hein. Ouais. La folie. T'as rien senti? Non, j'ai rien senti. La folie. Putain, vous êtes trop chaud, les gars. Ah, yes. Let's go, les gars. Oh, je suis trop heureux. Yes. C'est un putain de cap de passer, en vrai. Ça fait. Je sais pas, ça fait 2-3 ans qu'on vient là. Genre, à chaque fois, on se dit putain, le pont neuf. Ah, c'est quand même corsé et tout. Peut-être qu'on s'entraîne encore. Et on a attendu d'être bien prêt aussi. Ça, c'est ça qui compte. Ouais. Genre, là, aujourd'hui, je me suis dit c'est bon. C'était sûr. Ah, yes. Ça y est, il prépare encore des folies. Si c'était cette hauteur là, c'était bon. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Ça. Waouh. Okay, ouais. Ok. Et là, tu grattes 2 mètres en sautant en haut. Non, c'est juste ça. C'est plus sympa comme ça. La plus grande peur, c'est qu'au moment où on saute, c'est la gendarmerie qu'on se prenne 136 euros d'amende. Ça, ça fait mal au cul, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas tarder. 136 euros pour sauter, ouais. Ça fait cher. Ça fait cher. Allez Jérémy, 3, 2, 1, c'est
le airtime. Il est abusé. Je suis choqué. En vrai, c'est pas humain, putain. Je sais pas si on se rend compte avec la caméra, mais vraiment, c'est tellement long en l'air. En fait, Jérémy Nicolas, ça fait plus de 10 ans qu'il vient sur ce spot. Du coup, à chaque fois, il trouve des nouveaux sauts. Et là, c'est fou, en fait. À chaque fois qu'on vient avec lui, il fait des dingueries sur le spot. Des trucs qu'on n'a jamais pensé à faire. C'est vraiment un monstre. Nickel. C'est de la folie. Hein. Ah, c'est... En vrai, d'or, fais ça. Le temps que tu passes en l'air, mec. Pff. Ça fait un moment que j'y pensais. Et en vrai, ça passe crème, c'est pareil. Franchement, à peine plus vite dans l'eau, mais ça change pas grand-chose. Trop bien, putain. Donc, c'est ouf. C'est bonne sensation. C'est ouf. C'est des bonnes sensations. C'est trop chaud, mec. Merci. Putain. Qui vient du sud alors? Personne. Si, y a lui du sud. Ah, c'est bien. Ouais, ouais. Tu veux papa et maman? Bah oui, normal. C'est ça que là on est venu. Voilà, nous servir aussi à. Vous avez une meilleure démarche que des parents qui interdiraient tout. Parce qu'il y a toujours un moment où ils vont le faire. Au moins, vous les accompagnez et vous leur faites faire les choses correctement. Il parle bien, ce mec. C'est la meilleure démarche. Une vidéo tous les dimanches, souscrivez à un abonnement. Les quoi, les dimanches? Quelle langue, mon pote? Je sais pas ce que j'ai dit. Une vidéo tous les dimanches, souscrivez à un abonnement.